Si on vous explique la fake à foot et que vous n'avez pas compris, ce n'est pas de votre faute. Parce qu'en fait, on ne vous a véritablement jamais expliqué comment ça marche. Je m'appelle Francis Languéné, je suis enseignant en marketing international du sport, instructeur consultant CAF en management et en marketing des organisations sportives. Je suis également le producteur de l'émission Sport Business Africa, la première émission panafricaine traitant des questions de gouvernance et d'économie du sport, diffusée tous les lundis à 19h sur CRTV Sport Entertainment. Je vous propose pendant ces 5 prochains jours, 5 vidéos de 5 minutes chacune que j'ai baptisées 5 minutes pour comprendre la fake à foot, pour vous amener à comprendre un certain nombre de choses. En effet, depuis la proclamation de la candidature de Samuel Eto'o comme président de la fake à foot, beaucoup de Camerounais voient en lui leur candidat de cœur. Beaucoup disent même pour, vouloir voter pour lui et disent que c'est le candidat du peuple. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas le peuple qui vote à la fake à foot. Comment est structuré le processus électoral? C'est quoi la fake à foot? Comment est-elle organisée? Vous aurez l'occasion tout au long de cette série de 5 vidéos de comprendre comment ça marche. La première vidéo que nous allons traiter sera en rapport avec le positionnement de la fake à foot dans le système international du sport, c'est-à-dire comment est-ce que la fake à foot est perçue du point de vue international. La deuxième vidéo que nous allons traiter justement portera essentiellement sur l'organisation, du moins les organes qui constituent la Fédération Camerounaise de football selon les textes de 2012. Et puis bien évidemment, nous parlerons dans la troisième vidéo de la notion de club, de ligue et bien sûr de corps de métier. La quatrième vidéo, quant à elle, vous dressera le processus électoral. Comment on fait pour élire un président de la FECA Foot, vous comprendrez comment ça fonctionne. Et la cinquième vidéo sera un avis personnel sur la question suivante. Est-ce que Samuel Eto'o ferait un bon candidat? Et surtout, peut-il d'ailleurs remporter cette élection? On aura donc l'occasion d'en parler lors de cette cinquième vidéo. Restez donc scotché, abonnez-vous dès maintenant sur la chaîne YouTube de Sport Business Africa. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la moindre vidéo pendant justement cette série que nous consacrons à l'instance fêtière du football camerounais. Ciao !